problématique, voilà. Comment vous avez justement fait pour faire ce combat-là? Pardon? Ce combat-là, comment vous avez fait pour le perdre? Ah ben, bon, c'est l'espoir, quoi. Bon, on a boxé avec les conseils, mais bon, ça n'a pas marché, quoi, finalement. On rend grâce à Dieu, c'était la volonté divine, on s'est entraîné comme il faut. Maintenant, il reste plus qu'à rentrer à la maison et réfléchir, quoi, sur le prochain étape. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah ben, bon, je ne m'attendais pas à recevoir... Je ne m'attendais pas à ce style de boxe en fait. Pourquoi? Bon, c'est comme ça. Bon, on s'est préparé comme il fallait. Mais bon, l'adversaire était un peu dur quand même, il mettait la pression. Et je m'y attendais pas. Oui, mais vous avez répondu à la question. Vous dites que vous n'attendez pas à ce style de boxe. Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à ce que vous attendez? Bon, il a l'habitude de. Bon, il met la pression, quoi. Il boxe beaucoup en avançant. Et moi, je suis un peu élancé. Il y a les gens aussi qui ont plus de rallonge, qui ont beaucoup plus de chance de battre les terroristes. Ah bon, c'est comme ça. Le sport, ça n'a pas marché cette fois-ci. Et la prochaine fois, je vais continuer le travail, je vais continuer de m'entraîner. Le Sénégal aussi, c'est quand même une terre de grands boxeurs. Badlitsky depuis 1922, jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour que notre pays retrouve son lutte d'antan? Ah mais le problème avec la boxe au Sénégal, c'est que les autorités ne s'y prêtent pas attention. Les autorités, bon, je dirais qu'ils ne respectent pas la boxe, parce que si vous allez dans une salle comme Hippomardio, il n'y a pas de matériel, il n'y a rien. Et les boxeurs sénégalais, ils n'ont pas l'habitude de sortir et combattre dans les grands tournois. Bon, il y a du travail à faire dans la boxe sénégalaise. Ok, là quand même on a une belle opportunité avec ces deux rings d'une valeur assez importante qui vont être léguées au Sénégal grâce au CIO. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour dynamiser cette discipline? Bon, je pense qu'il faut relancer la force sénégalaise. Il faut que les autorités prennent main forte. Il faut que les boxeurs puissent aller à l'étranger, aller dans les stages, du travail, dans les grands tournois. C'est mon premier tournoi international. C'est un niveau que c'est la première fois que je boxe dans le niveau international. C'était mon pas d'effort. Je voulais aller jusqu'en finale, mais aller au niveau olympique. Ça n'a pas marché. Je suis vraiment très très déçu. Merci beaucoup. Bon, c'était juste la première fois à l'homme intérieur. C'est le boxe pour maintenant, quoi. Et après, on a vraiment fait. Parcours, là, moi, c'est parcours, en fait, c'est boxe. Bon, je fais de la boxe depuis 4 ans maintenant. 4 ans. Je vais nous représenter depuis quoi, essayer de décrocher une qualification. Et après,
alhamdulillah rabbil alamin yalla dagal na lu dagal legui dess dess rek moy jall ci defal bi dem ligey wat niveau africain dama wax ci bokk niveau africain dama wax niveau africain bax direk pass yeren da fi bon parol na ñom bon wi gané minari parol na dañu paré ci gën dañu paré ci gën def na ay stage ko ni bon Merci.